Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul. Donc déjà je voulais m'excuser pour mon absence, j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans ma Ce vie. haul va consister à vous montrer tous mes achats que j'ai fait Avant de dernièrement. commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, lâcher un petit pouce bleu et activer la cloche. Je te laisse également me dire ce que tu auras pensé de cette vidéo en Pour commentaire. commencer, je vais commencer. Ouais, pour commencer, je vais commencer avec les chaussures. Tout d'abord, chez Primark, j'ai pris une paire de claquettes comme ça. Ce sont donc je les ai déjà utilisées du coup. Ce sont des Mickey, donc elles ont même pris la forme de mes pieds. Je les avais payées 10 euros, donc voilà, 9,99. Je les ai en taille 36. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai un magasin qui s'appelle Florence Mode dans mon centre commercial de ma J'en ai ville. pris Deux. Donc la première, ce sont. En fait, c'est des imitations de Converse. Ce sont, on va dire, entre guillemets, moi j'appelle ça des Converse noires, sans plateforme. Je les ai payées 15 euros la paire. Comment vous dire que je suis trop contente. Bon, niveau qualité, je pense que ça va pas me durer très longtemps. Mais moi, je suis vraiment Air Force One en ce moment. Et vu que j'ai deux paires, ça va être vraiment pour des occasions, enfin pour des occasions entre guillemets, que je vais les porter. Du coup, je les ai en noir, en taille 37, en rouge. Pourquoi du rouge? Parce que j'en porte rarement. Et comment vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur sur les rouges. Elles sont vraiment trop trop canon. Pareil, la qualité, elle n'est pas oufissime de ouf. Hein, mais voilà, ce sont. J'aime beaucoup. Et du coup, pour aller avec, je me suis dit, vu que je porte pas beaucoup de rouge, je me suis dit, je vais prendre un petit pull. Et c'est vraiment la même couleur. J'ai galéré, je cherchais, j'ai dit, je vais jamais trouver la même couleur. Et j'aime pas quand ça sortit pas, quoi. J'aime pas, ça fait bizarre. Du coup, bah, je mettrai une petite chaussure rouge, un petit jean, un petit truc avec mon petit haut. Et franchement, je pense que ça va être grave canon. Sur ce petit pull, parlons-en. Donc, ce petit pull, il vient de chez Jennifer. Il est rouge, il est en laine, c'est une taille XS. Il faut savoir que le XS chez Jennifer, c'est quand même assez grand pour voir que parfois il m'arrive même de faire du M. Donc ouais, franchement ouais. Mais c'est très rare que je fasse du M, hein. C'est vraiment quand je veux quelque chose de large, mais sinon je fais du XS. Donc voilà, et je l'ai eu en promo à 10 Le petit bémol, euros. c'est que ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en fait, vous savez, il y a plein de petits bouts comme ça qui sortent et franchement j'ai les boules. Mais je vais demander à ma grand-mère d'y retoucher un petit peu. Léo, j'ai celui que je porte actuellement. Donc il est gris, il est comme ça, il est un petit peu court. Enfin, je vais vous montrer. Il n'est pas tellement court, enfin il arrive là quoi. Il est gris, la matière est juste oufissime. Franchement, j'aime trop trop. Le petit détail des manches, c'est comme ça, c'est un petit col. C'est pas un col roulé, mais c'est un Je l'ai petit payé. col. 20 euros, donc 19,99 chez Bershka. Et là, Ensuite, dans la foulée, pour parler de Bershka, j'avais vu ces petites robes comme ça, robes t-shirt. Elles sont hyper longues, en dégradé comme ça, je les trouve trop trop belles. Donc celle-ci, elle est bleue et violette. Et franchement, elle est trop trop canon. J'ai tout pris en taille L pour que ça fasse grand au niveau des genoux, parce que ça arrivait au-dessus des genoux. Là, ça arrive vraiment à peine au-dessus des genoux et c'est vraiment la taille qu'il fallait. Donc voilà, je l'ai pris en dégradé comme ça. Je crois l'une, ouais, l'une c'était dur au lori, hein. Et du coup, la deuxième, elle est comme ça. Ensuite, chez Primark, j'ai pris un petit pyjama que ben, j'aime trop trop. Moi, je dors tout le temps en chemise de nuit. Et du coup, j'ai trouvé cette petite chemise de nuit de je sais même pas, c'est si, c'est Lilo et Stitch. Voilà, comme ça. Trop mignonne. Elle est assez longue, elle est en corail. Non, chez H&M, j'avais envie d'un sweat tout blanc, enfin d'un t-shirt tout blanc. Du coup, j'en ai trouvé un. Et le voilà. Donc il est tout tout blanc, c'est une taille S et il est assez grand, donc je suis Voilà, ça fera contente. l'affaire, c'est un blanc quoi. Chez Mode Center, j'en sais rien, j'ai trouvé ce petit haut en col carré. Et comment vous dire que j'adore, vraiment. J'aime trop trop parce que, bon là il n'a pas tellement de forme, mais porté, ça fait une belle poitrine, même j'adore. Ensuite, chez Bershka, j'ai trouvé ce petit haut. Bah, c'est mon copain qui m'a dit qu'il voulait que je l'essaye. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit haut. J'ai pris deux crop tops. Donc, ils sont extrêmement courts. Genre, si vous mettez rien dessous, vous avez le bout du sein qui dépasse dessous. Donc, moi, je mets tout le temps. Bah, justement, cette brassière, je la mets tout le temps. Et je mets mon petit crop top par-dessus. Là, En et bleu. Aussi en S. Et voilà. Donc, ils sont vraiment très courts par contre. Ensuite, j'ai pris chez Bershka, toujours, j'ai pris un petit short comme ceci. Donc, derrière, il est comme ça. Et de Du coup, je devant, l'ai il est. payé 30 euros et c'est un petit short comme ça. Du coup, j'ai pris une petite combi short comme ça. Donc, c'est en décolleté, c'est rembourré. Donc, en fait, pas besoin de soutien-gorge comme ça. Voilà, c'est trop Faire un bien. petit nœud et c'est un Du dos nu. coup, sur Shein, j'ai pris une petite jupe noire. Comme ceci, avec des petits cœurs, donc elle est Dans le assez même pourpre. ton, mais pas exactement sur Shein. Toujours, j'ai pris celle-ci, donc là, les bras
Il y a des petites épaulettes, mais vraiment assez discrètes. Le motif, il est noir avec des petites bulles, on va dire, entre guillemets. Et là, en bas, c'est une jupe comme ça, en fait. Et il y a une petite ceinture là. Ensuite, chez Shein, toujours, j'ai pris ça, que je ne porterai jamais de toute ma vie entière. J'avais vu que plein de petites youtubeuses le portaient, ce petit haut. Laissez-moi vous dire que je suis pas très très fan du motif jaguar, mais sur ce haut, je le trouvais pas moche. Non, vous voyez pas la caméra, c'est incroyable. Voilà, c'est quand même extrêmement transparent. Même les bretelles, elles sont extrêmement grandes. Genre. Enfin, c'est surtout la coupe que j'aimais bien, mais je vais le recommander, mais du coup, dans d'autres couleurs. S. Et niveau qualité, c'est comme ceux de Gymshark. Je vous assure, celui-là, je l'ai payé 12 euros. Et je vous assure que la qualité, elle est juste incroyable. Vraiment incroyable. Il y a un élastique à la taille, tout ce que j'aime. C'est pas des trous, ça, c'est juste des petits motifs noirs. Ça m'arrive vraiment aux chevilles, c'est ce qu'il faut. J'aime pas avoir des leggings. Je vais commander un autre maillot de bain sur Shein, du coup, un basique, parce que c'est bon, ça me saoule les mauvaises surprises avec Shein. Du coup, c'était 10 euros l'ensemble. Donc, il y a le petit haut vraiment très très simple. Et la petite culotte, et je l'avais pris en taille M vraiment, et je nage pas du tout dedans. Il me va pas trop grand, il me va pas trop petit, il me va nickel. Donc voilà, je suis très contente. Et pour finir, avec les produits, j'ai acheté, vu que je suis allée chez le coiffeur avant-hier, bah, sur la foulée, j'ai dit je vais acheter des produits de qualité pour pouvoir entretenir ça, parce que j'ai quand même payé une sacrée somme. Ça fait un petit peu mal au derrière, mais ça va, ça va. Du coup, j'ai acheté un shampoing pour les blondes, marque Kera Soin Professionnel. Voilà, j'ai payé 10,90€. Du coup, le masque à 12€ et quelques. Donc, c'est un masque reconstructeur à la kératine. Spécial cheveux extrêmement abîmés. Je peux vous assurer que le coiffeur, il m'a tué mes cheveux. Pas tellement, mais ils sont tués. Voilà, et donc, ils sont vraiment bien. Parce que j'ai déjà terminé cette fois-ci, vraiment, pour terminer sur Shein. J'ai commandé un petit sac rond qui, là, vient prendre une forme assez spéciale. Hein. Donc, c'est un petit sac blanc, comme ça, avec une peau de serpent. Je sais pas trop ce que c'est. Avec la petite étiquette Shein, j'aime trop, c'est trop mignon. Et une petite chaîne en or. Voilà, je suis très contente. J'avais payé, je crois, 7 euros. Et mon copain m'a offert un sac à main. Parce que j'en voulais un depuis un moment. Il me l'a offert. Avec ma bague. Je suis vraiment trop contente. Du coup, le voici, le voilà. C'est un Flora & Co. Je l'ai pris dans la boutique Totem. Donc, c'est une boutique de bijoux. Donc, il est au prix de 45 euros. Niveau qualité, il n'y a rien à dire. À l'intérieur, il y a une poche là. Une poche là. Et au milieu, il y a un compartiment. Donc voilà, il y a tout mon bazar. Et franchement, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit. Il est génial. Du coup, voilà. Et sur Shein, pour aller avec, j'ai dit, mon copain m'a acheté un beau sac. Je vais quand même en prendre soin et ajouter des petites touches. J'ai commandé ce petit porte-clés éléphant sur Shein au prix de 5 euros. Il est trop, trop mignon. Du coup, voilà. Allez, mais du coup, on a ce leggings que j'ai acheté chez Bershka. Que moi, personnellement, je remonte un petit peu parce que j'aime bien. Du coup, c'est un jogging violet lila. Trop, trop canon. Je l'ai payé 12 ou 13. Voilà, ça va mieux. Du coup, voilà, là, il y a une petite écriture très sympatoche. Franchement, j'adore la couleur. Franchement, je suis trop bien dedans. J'avoue. Et là, il y a des petites poches. Donc voilà, il était en plein de coloris et franchement, bah, je suis trop contente. Du coup, pour terminer la vidéo en beauté, oui, j'ai changé de plan parce que je viens tout simplement de casser mon trépied. Du coup, je vais vous parler de la marque Lalala qui m'ont gentiment renvoyé leurs produits. Du coup, pour ma part, ils m'ont déjà envoyé un poster. Franchement, la qualité, elle est juste oufissime. Et du coup, ils m'ont envoyé la petite box Lalala. Donc, je crois que c'est celle d'été. Il y a 30 photos à l'intérieur. Et du coup, laissez-moi vous dire que j'ai choisi des petits polaroïdes comme ceci. Et donc en fait, on peut mettre le contour de la manière qu'on veut. Donc là, celui-là, il est blanc. Celui-là, il est noir. En fait, je me suis imprimé mes photos de ce que je fais en noir. Du coup, voilà, je suis vraiment trop contente. Et du coup, j'ai donc un autre code promo que vous l'afficherez sur l'écran. En tout cas, j'espère que ces petits bons plans, ils vous plairont. En tout cas, moi, je vous recommande cette marque à 100%. J'en suis vraiment toujours très satisfaite. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo.